Bonjour à tous, c'est Valou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Justement, avant de la commencer, j'ai un petit cadeau pour toi ce mois-ci. Je te fais gagner un petit booster Clash des Rebelles garanti, non trié, non pesé. Pour ça, tu as juste à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Le petit like et le commentaire pour pouvoir participer. Alors aujourd'hui, j'ai reçu pas mal de cartes japonaises. Voilà, j'ai reçu un lot, il y en avait quelques-unes qui m'intéressait, du coup je les ai gardés et justement tout ce lot là que je vais vous montrer sera sur mon Vinted. Voilà, ce sera 1,99€ la carte. Je te conseille d'aller faire un tour, tous mes liens sont en description. Voilà, on va voir toutes ces cartes maintenant, let's go. Alors honnêtement, il y a de très très jolies cartes, regardez-moi ça, regardez le relief de ce Ptera, très très joli. Alors ça n'a rien à voir avec le français, vraiment la qualité. Regardez, c'est franchement les cartes, elles sont sorties de booster. Hop, alors là vous avez du S11, le petit Ptera V-Star qui est vraiment très joli, de Incandescent Arcana, si je dis pas de bêtises. Le petit, c'est l'évolution de, non c'est Typhlosion V-Star Shiny de S9A, très très joli aussi. Alors bien évidemment elles sont sous sleeve. Je crois que ça, c'est Farfadu V-Star, le petit Shaimin. Ça, c'est du S9. On a encore du S9. Misty Bull, de S11A. Non, ça doit être ça, le Incandescent Arcana. Je sais plus, là, on a du S8B, V-Max Climax en japonais. On a du S4A, très joli V-Max. Vraiment très, très joli. Franchement, c'est de très jolies cartes. Là, on est un petit... c'est du S10B. Alors, ça, on a un petit... c'est comme du Pokémon Go, mais le métal. Très joli. Là, on a du S8B, VMAX Climax. Très joli. Encore du S8B. Corvalus, ça, je crois. Encore du VMAX Climax. On a un petit Loclass. Du S4A. Très jolie cette carte, vraiment très jolie. Je crois que chez nous on l'a en promo, si je dis pas de bêtises, je sais plus dans quelle série. Etran, si je dis pas de bêtises. Encore du VMAX Climax. S8B. Ça c'est du S10A. S10D, très très joli. Ça doit être Clamiral, ça, S9A. Très jolie carte aussi. Hécateur de S10P. Très jolie aussi cette carte. Franchement, j'adore. Majestic en S11A, Incandescent Arcana en V-Star. Très très jolie aussi cette carte. Magnifique, je trouve. Là, on a du S4A. Oh, le petit Morpeko. Là, c'est du S1H. Très joli ce Morpeko. Franchement, il me fait penser un petit peu au Pika VMAX. On a le petit Rayquaza en VMAX Climax. Alors ça, généralement, cette carte-là, de S8B, elle coûte autour des 2€, 2-3€, je dirais plus 3€. Très très jolie carte aussi. VMAX Climax. Miasmax. Ça, c'est du S7D. Très joli. Alors, ce qui est pour nous... évolution céleste, si je dis pas de bêtises. L'évolution de Junaconda. Ça, c'est du S6H. Encore du S6H. On a du S10D. Encore un petit Hécateur V-Star. Là, on a un petit Drascor de Incandescent Arcana pour finir. Franchement, il y a vraiment de très jolies cartes. Hein. Je vais vous remontrer le lot complet. Hop, ça sera tout sur Vinted. Franchement, très très joli. Oh, le Rayquaza, Morpeko, Majestic, Hécateur, Clamiral. Très très joli toutes ces cartes. Très très joli. En tous les cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. C'était Valou. On se retrouve demain pour une toute nouvelle vidéo. Ciao !